Et voilà, la première pierre est lancée. Vinci Immobilier, premier grand promoteur, a lancé un plan social. Et c'est pas le dernier, parce que les autres, ils vont s'engouffrer dans la brèche. Au début, ils ont toujours un peu peur, mais après, ils sautent tous à pieds joints. Le président de Bouygues Immobilier qui quitte son poste, c'est tout récent, hein. Mais pourquoi il fait ça? Ben, c'est simple. Il sait qu'on va lui mettre des objectifs qui sont impossibles à réaliser. Il sait que dans cette histoire, il va falloir des coupables. Donc, il se dit, vite, je quitte le navire avant que ça me pète à la figure, entre guillemets. Parce que ça va être une histoire de patate chaude. Le dernier qui va être là, c'est lui qui va souffrir. Et vous avez eu aussi le PDG de Icade qui a démissionné. Icade, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et de la Caisse des dépôts, la filière immobilier en fait. Donc lui, il a démissionné malgré des résultats en hausse. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que l'année prochaine, c'est impossible qu'il refasse la même chose. C'est impossible qu'il atteigne les objectifs. Et donc, en fait, il préfère partir par la grande porte, ce qui est très malin de sa part.